La région Rhône-Alpes, située au sud-est de la France, est la troisième en termes de superficie, avec 43 698 km². C'est une région qui regroupe 8 départements: l'Ain, l'Ardèche, la Drôme, l'Isère, la Loire, les Rhônes, la Savoie et la Haute-Savoie. Elle est aussi classée 6e région européenne. Il y a une mosaïque de climats donnant la diversité topographique existante. Si le climat océanique domine en apportant des précipitations régulières et modérées, de 600 à 2000 mm par an, il est fortement amendé par les avaries du massif central, par les remontées méditerranéennes dans le sud de la région et par le climat des montagnes des Alpes. Comment arriver? De l'Espagne, les moyens les plus faciles d'arriver, c'est par avion. Il y a deux aéroports importants dans cette région: l'aéroport de Saint-Exupéry à Lyon et l'aéroport de Grenoble-Isère. Et en Suisse, l'aéroport de Genève. À partir de ces trois aéroports, on peut se déplacer pour toute la région, grâce à un riche réseau de routes et d'autoroutes. À cette région, on peut y arriver aussi par train. Le TGV permet une très bonne communication entre les villes plus importantes. Pour ces logements, il faut mettre en évidence une importante capacité hôtelière dans ces régions, où les touristes pourront trouver facilement des hôtels, des pensions, des auberges, des campings de toutes les catégories. Rhône-Alpes nous offre une gastronomie particulière aux Saxons locaux et qui doit beaucoup de sa réputation au maire, au vétard, Nandron, la compère, puis fils, à un pot Bocuse universellement connu. La région est l'une de celles qui se caractérise par la diversité de sa production et la richesse de plusieurs terroirs. Le patrimoine historique et culturel de cette région est plein de villes incontournables avec les quartiers anciens sauvegardés, des monuments, un réseau de musées qui est le plus dense d'Europe, des jardins au cœur des villes qui sont le témoignage d'un passé prestigieux. Le patrimoine naturel de Rhône-Alpes a le privilège de jouir d'une incroyable diversité de paysages où la faune et la flore peuvent s'exprimer dans toute leur splendeur, mais aussi d'être l'une des régions de France où ses richesses naturelles sont les mieux préservées.
la jeunesse en Alpes offre une grande diversité d'activités différentes. Pour ceux qui aiment la nature, l'aventure, les moments de détente, le jeu, ou pour ceux qui aiment les animaux.